na mtazamaji wa Crown Media tukiwa vip baada ya dakika tisini kukamilika mchezo wa Young Africans eh, dhidi ya Simba Sports Club uliokamilika kwa goli mbili kwa moja. Kulia kwangu ni waziri wa michezo kutoka Ivory Coast ambaye alikuwa hapa kutazama mchezo wa leo. Minister, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue en Tanzanie. Merci beaucoup. Ta première fois venir euh, regarder les matchs à Benjamin Mkapa? C'est la première fois, mais je vais venir toujours en Tanzanie parce que la Tanzanie est un pays J'ai eu le temps de visiter Zanzibar. Je ne voulais plus revenir à Dar es Salaam. Je suis à Dar es Salaam, j'ai envie d'aller à Zanzibar. Alors vraiment, je suis très content d'être ici dans ce pays frère, dans ce grand pays frère, ce grand pays de sport et de football. La différence, c'est que vous avez vu aujourd'hui de notre football et votre football d'Avercoste. C'est un grand football et ce derby me rappelle le derby à Sac Africa en Côte d'Ivoire qui soulève des foules, qui crée l'hystérie. Donc ici aussi, on a vu, il y avait foule, foule, foule. Et c'était un beau match. Un match d'une très grande technicité. Et nous avons apprécié les Young qui ont battu les Simba. Et bon, c'est ça le sport. Hein. Il doit y avoir un vainqueur et un vaincu. Il y a tes enfants ici qui viennent d'Avercost. Il euh, y, y a Paco Mesois qui jouent ici en Tanzanie. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire Mais Ils sont devenus tanzaniens. Ils sont tellement bien intégrés qu'on a du mal à croire que ce sont des Ivoiriens. Et c'est cette fraternité que je voulais relever parce que c'est vraiment extraordinaire. Des Ivoiriens qui se sentent en Tanzanie chez eux, des Tanzaniens qui viennent en Côte d'Ivoire, qui se sentent en Côte d'Ivoire chez eux, c'est ce que nous souhaitons. Et nous allons profiter de cette visite pour renforcer la fraternité entre les deux pays. Quelque chose, que vous pouvez prendre ici et rentrer avec eux à la maison. La différence, la différence, c'est que vous avez vu aujourd'hui. Et rentrer à la maison, vous pouvez leur dire que... Donc, j'étais en Tanzanie, je vis ça et ça. Vous avez parlé de Zanzibar. Du nous, pourquoi Zanzibar Qu'est-ce qui est -ce que le mieux que ça va vous faire pour partir à Zanzibar Zanzibar est, est environné d'océans, de, de, de mer. C'est merveilleux. On a fait la traversée par bateau. C'est tout simplement merveilleux. C'est tout simplement merveilleux. Et donc, c'est un site touristique important, hein, d'envergure de, mondiale. Je pense que euh, j'apporterai un certain nombre de messages à mes frères ivoiriens pour dire que ils peuvent visiter la Tanzanie, ils peuvent visiter Zanzibar. C'est un peuple uni dans la diversité. C'est un peuple fort, un peuple au travail. Nous avons un cadeau pour vous. Ça c'est notre télé. Ça s'appelle Crown euh, Media. Euh, ça se trouve à Mikocheni et ça c'est notre chaîne radio oui grand média être oui, un, un grand média ici en Tanzanie ouais. donc c'est notre cadeau euh, que vous allez rentrer avec ça à la maison ben c'est un grand souvenir en tout cas merci beaucoup et on vous attend à Bidjan on va venir mais ben, venez maintenant maintenant euh, contre mimo ça quelle équipe on va essayer d'organiser ça je suis en contact avec euh, mon collègue euh, d'espoir mes collègues d'espoir aussi bien de Tanzanie que de Zanzibar